Alors, je commencerai d'abord par dire shalom, shalom, que la paix du Seigneur soit avec vous tous. C'était un moment agréable dans la présence du Seigneur. Vous savez, généralement quand on fait des cultes, on a tellement beaucoup de programmes, on a tellement beaucoup de choses à faire et on trouve un temps où on dit un temps où on élève la louange à Dieu par des chants. Et ce moment a été vraiment bénéfique, je dirais même pendant 2 heures non-stop, où nous sommes en train de célébrer le Seigneur, de lui chanter des chants nouveaux, de lui chanter la louange et de l'adorer. C'était un moment très, très, très bénéfique pour moi personnellement, parce que j'ai aussi répandu mon cœur devant le Seigneur. Et toutes les personnes qui étaient venues, ils sont venus pour rencontrer le Seigneur. Et c'était vraiment, ces 2 jours nous avons passé dans la présence de Dieu, c'est des moments inoubliables dans la présence de Dieu. L'église de Dieu, le réveil, voilà, je suis déjà venue une fois ici, mais ça faisait très très longtemps. Et l'accueil vraiment était, pour moi, je bénis le Seigneur parce que j'ai reçu un accueil vraiment merveilleux de la part du pasteur, de la chorale et de tout le monde. Vraiment, que Dieu soit béni. Tout ce que je peux dire, Dieu est fidèle, Dieu est bon. Et juste compter sur la fidélité de Dieu et tout ce qu'il dit, il l'accomplit. Que Dieu
Ok. Aujourd'hui, on va essayer de faire cet exercice. On va faire la louange sans les micros. Ça fait du bien. Vous savez, dans la prison, quand Paul et Silas étaient en train de louer, nous savons ce qui s'était passé. D'accord. On va bien le faire. D'accord. Moi, j'aimerais que nous puissions chanter, que vous aussi vous puissiez chanter. C'est pas seulement la musique, mais c'est des paroles que nous sommes en train de dire. Alléluia. Et nous croyons que en ce moment où nous sommes arrivés, ce que nous déclarons, c'est ce qui s'accomplit, n'est-ce pas? Nous voulons vraiment bien adorer le Seigneur. On va le faire avec nos mains, peut-être la batterie seulement. Et on va essayer de quitter un peu nos micros. Bon, de temps en temps, je vais prendre le micro, sinon je vais casser la voix. Pour ma part, j'ai béni le Seigneur de ce qu'il a accompli pour nous durant toute cette année 2016. Moi, personnellement, j'ai perdu un cousin et une cousine
Donc c'était des gens ordinaires, donc comme moi, moi aussi je pouvais mourir comme eux, mais Dieu m'a gardé en vie. Je crois qu'il y avait beaucoup de raisons pour moi, en tant qu'enfant de Dieu, de pouvoir les célébrer. Donc comme nous cessons de le dire ici à l'église de Dieu, les réveils, c'était une série de prières marathon, cette série qui a commencé le 20 novembre et qui vient de s'achever. Le Seigneur s'est glorifié parce que il y a beaucoup de témoignages. Il y a des gens qui avaient les cancers et maintenant ils sont délivrés de leur cancer. Il y a des gens qui ont vraiment vu la main de Dieu. Donc parfois les mots, s'il faut dire tout ce que nous avons ressenti durant les mois de célébration, les mots manqueront. Mais moi, j'ai béni l'Éternel du soutien physique, parce qu'on est des pères de famille, donc à côté de l'œuvre de Dieu, on a aussi des occupations professionnelles. Alors pour allier la vie des serviteurs de Dieu, la vie familiale, ainsi que la vie professionnelle, ça n'a pas été facile, mais Dieu nous a soutenus pendant tous les mois de célébration. Nous venions ici à l'église du lundi au samedi de 18h à 20h et le dimanche on avait un seul culte, donc de 10h à 13h, et on a tenu bon. Donc nous disons gloire à Dieu et surtout merci Seigneur. Nzambe nazo komisa nzambe na mokolo na lelo dimanche eza le 18 décembre nzambe asali biso ngolu apesi biso ngolu toyeba lisu kozala na bon moi yango nazopesa nzambe merci naye kozongisa matonde pa na nzambe parce que tomoni monene na nzambe tomoni o nzambe asaleli biso yango nazopesa nzambe merci nzambe soka lobi makambo na ye akosaka te bible lobi aza sima maloba basali na ye pe akokisaka yango nzambe alaki biso makambo ebele tomoni yango na katikati na oyo esika yango nazopesa nzambe merci na moma celebration kolo apesi biso makasi apesi makasi ndenge bible elobi azo renouvele bonté na ye chaque matin nzambe vraiment azali korenouvele makasi azo renouvele ntango mosusu toza komituna bakestio tokosala ndenge nini kozala ndenge nini me lokola ezalaki etindami kouta na nzambe nzambe asali apesi biso makasi pendant un mois toresiste tozalaki na nzambe elongo totamboli na nzambe elongo tomoni nini oyo nzambe asali na katikati na eglize ya reveil nzambe abikisi babeli nzambe akangoli nzambe apesi bana na bikomba pendant 17 ans moto abotaka te bato balobi mpe me lokola nzambe azalaka na liloba moko mpona bomoi na moto ntango nzambe atelemaki tomoni ete ekomba aboti yango nazopesa nzambe merci nazozongisa matonde epai na nzambe na misala na ye malamu oyo asaeli biso lokumu oyo bakozonga epai na ye tokokontinue toujours kozongisa matonde epai na nzambe mpona biso ezali recommandation oyo nzambe apesi biso bomoi na biso mobimba
na sena moyo toza toujours ka kokumi sans nzambe parce que to ebitan tozo kumi sans nzambe nzamba zo sala bisu makambo mingi so akoleka to kumi sin nzambe kaka te poto zui to kumi sin nzambe kaka te poto moni pe batu babiki mais to kumi sin nzambe na biloko to sakina ngola bosenga o nzamba pesi na nute to zong seli nzambe matondo so ki nzamba pesi te zate apimeli biso te azan nzamba saka makambo na ye na tango na ye to pesi nzambe merci na onyo sako kisi na kata bomo na biso na mabota na biso na kata église à réveil to zong si matondo pa na nzambe nzambe vraiment azo lokumu lokumu ezonge pa na nzambe nzamba pambola bino nyonso tu obukola na biso que la gloire de Dieu la paix du Seigneur et sa partage na bino. Shalom frères et sœurs, je suis le chanteur Nestor David. Je viens de la Côte d'Ivoire. Je suis venu à Liège à l'église Réveil pour participer à la célébration. Et pour moi, ça a été vraiment un grand moment, un grand moment, un grand moment inoubliable pour moi. Parce qu'il faut dire que dans ce concept de la célébration, c'est d'être reconnaissant à l'Éternel durant toute l'année. Je pense que c'est ça, c'est vraiment c'est ce que nous devons faire chaque fin d'année parce qu'on passe tout le temps à demander à Dieu et on oublie tout ce que Dieu fait pour nous. Et je pense que marquer un mois pour dire merci à Dieu pour toute l'année, je pense que c'est vraiment une très bonne chose. Je voudrais bénir le Seigneur pour cette grande vision que le pasteur Pajo a eue et bénir aussi l'église Réveil. Vraiment, tu nous as bien accueillis. Nous sommes venus trouver vraiment une église très forte, une église pleine d'amour, une église pleine d'onction, une église pleine de spiritualité, une église qui aime le Seigneur, qui aime l'homme. Vraiment, j'ai été vraiment béni. C'est vrai que j'ai toujours l'habitude d'assister à plusieurs événements. J'ai toujours l'habitude d'aller dans plusieurs églises. Mais sincèrement, j'ai été marqué par tout ce qui s'est passé ici à l'église Réveil de Liège. Que le Seigneur vous bénisse et que Dieu continue d'élever cette église, que Dieu continue d'élever des hommes et des femmes dans cette église, que l'année prochaine, à cette même date de célébration, il y ait de grands témoignages qui accompagneront cette célébration. Shalom à vous et que le Seigneur vous bénisse. Merci au pasteur Pajot, merci à tous les bergers, merci à tous les fidèles de l'église. Et que le Seigneur vous bénisse. Sachez que Dieu est fidèle. Shalom. Oh Seigneur, j'ai besoin de ton aide. Oh Seigneur, j'ai besoin de ton aide. Jésus, j'ai besoin de ton aide. Dans mon foyer, j'ai besoin de ton aide. Jésus, j'ai besoin de toi, Seigneur Jésus-Christ, règne dans ma vie. Hey! Vous savez de qui j'ai besoin de toi, papa. Jésus, règne dans mon cœur. Dans ma vie, j'ai si besoin de toi. Dans ma vie, j'ai si besoin de toi. Dans mon foyer, j'ai si besoin de toi. Dans mon pays, j'ai si besoin de toi. Dans mon continent, j'ai si besoin de toi. Dans ma famille, j'ai si besoin de toi. Dans ma vie, j'ai si besoin de toi. Que ton règne vienne, vienne, viens dans ma vie. Que ton règne vienne, de dans ma cœur. Satan, laisse
laisse-moi, Jésus a tout accompli pour moi. Satan, laisse-moi, Jésus a tout accompli pour moi. Alléluia! Bougez! Ici, tu danses où? Ah ouais? Si tu loues pas le Seigneur ici, tu loues où? Où tu loues? Si tu n'adores pas l'Éternel, qui t'y adore? Si tu ne célèbres pas le Seigneur, qui t'y célèbre? Je veux voir les adorateurs et les adoratrices de Dieu. Ouais! Shalom, shalom, peuple de Dieu. Awa bozo landabiso en direct na kati ya Liège na église les réveils. Kota la o ekambami na mosali na nzambe passé pas jopé le mona ba collège nyo sotou. Kota la na komi si nzambe vraiment passé mosala na nzambe le ki malamu awa. Peuple na nzambe baza ko yamba lilo ba nzambe na joie. Pe bazali ko yamba. Kota la ko yeba ko adorer nzambe. Pe ko yeba ko louer nzambe. Malgré la circonstance, nous avons eu le cas, na vie na biso, ou bien na mboka o ezali, ou bien na bisika nyo sotou, na moni pepe na nzambe bazola ki sa joie moko, balobi na kangelo komo motei alobi, mouta exota ki alobi ke, to kumi sakayo te, pono pe saka biso, ou bien pono pambu la kabiso, me to kumi sakayo, parce que to yebi ke yondo zanzambe, yondo ke la nyoso. Pe yonde muto ozan zambe po kotika la. E lo kwane touche nga motema na kanisi. Tam munga na bongo la ki motema. Na yeba ki teke nzamba pambo laka. Na yeba ki teke nzamba tambo saka bakoka. Na yeba ki teke nzamba sekwi saka. Nga nzamba be inga na ndoto. Na yebi kaka ke nzamba zalaka. Na kumisa ye. E lelo na komi komo na mbongo. Bozwi. Ma pambo li kolia e kom loko la matabis. Yango to koloba bible lobi cherche premièrement le royaume de Dieu ni otoko ya par de si bana na nzambe na sepel mingi lolenge bana na nzambe ba adorer nzambe bazola kisake bozwi mbongo biloko makamnyo to ko sanango na anenyo sotu eza pamba le sel Jésus-Christ nde mutu azana valeur vina biso to zaboye eza ka pona Yesu yango moni ba mange ba mona ki monzoto o ezalaki monzoto moko tenenge moko na ba minzoto nyo sotu lolenge balobaki awa monzoto wana ebandaki ko briller bango ba memi wolo ba memi balaka ba memi ba mbongo ba buaki yango na sina makolo ya bebe ba eko gumba bela bebe moko ezalaki bebe te nzoka nde ezalaki nzambe ezalaki bebe te ezalaki mokeli na nyoso pesa mona moninga moninga mi molinga mi molinga mi siko zali yeba ko adorer nzambe lokola bande ko église ya le réveil talo lolenge baza ko adorer nzambe landa image nzamba pambola bino a suivre. Oh yes, ya ya sanga moko. Yes, yes,
se kita ozo kita te benda na boko kita na se kita na se kita ale kita na se soko kitu te sispe soko kitu te sispe soko kitu te sispe soko kitu te sispe soko kitu te ale kitu Christian kita na se Christian Christian kita na se Seigneur Jésus-Christ est notre Sauveur, qui est le chef de l'Église, et nous bénissons aussi le Saint-Esprit, notre Dieu qui nous assiste en toutes choses. Lui qui est venu révéler Christ en nous, et révéler le Père, et aussi pour glorifier Christ et le Père. Nous bénissons Dieu pour la vision qu'il a donnée à son serviteur, à la personne du pasteur Page, et cette vision était pour l'Église des réveils. De célébrer le Seigneur, la célébration qui avait commencé le 20 novembre jusqu'à aujourd'hui, presque le 20 décembre, d'un mois. Je voudrais quand même dire une chose, quand nous célébrons parce que nous avons les résultats.
Notre résultat ne vient pas parce que nous prions. Mais notre résultat vient parce que Jésus avait tout accompli à la croix. Et cet accomplissement de Christ à la croix, c'est ce qui fait que Dieu voulait dire célébrer. Célébrer. Nous ne sommes pas un peuple qui vive par émotion, nous vivons par la foi. Et notre foi en Jésus nous dit que nous avons déjà toutes choses en lui. Et comme nous avons toutes choses en lui, nous célébrons. Nous célébrons parce qu'en célébrant Dieu, par l'adoration, par la louange, par les témoignages, par tout ce que nous devons faire pour notre Seigneur, nous exprimons sa toute-puissance. Nous exprimons sa grandeur. Nous exprimons son amour. C'est-à-dire nous exprimons ses attributs, son être, et nous exprimons aussi sa nature. Parce que sans ces attributs-là, sans son être, sans tout ce que j'ai cité là, nous ne devons pas être. On ne devait jamais se réjouir. On ne devait jamais être. Voilà pourquoi nous exprimons notre joie, notre reconnaissance à notre Dieu. Et je voudrais dire aussi pour le peuple de réveil, qu'il sache que toute fois que Dieu veut amener son peuple dans une autre dimension, il leur donne la clé. Et la clé qu'il a donnée à travers son serviteur, c'était la célébration. Vous vous souvenez quand les enfants d'Israël avaient eu les promesses d'entrer dans les terres promises, quand Dieu avait amené son serviteur Josué sur le chemin, le premier miracle que Dieu avait fait, c'était en disant à Josué, tu diras au sacrificateur de porter l'arche et de se mettre leurs pieds dans l'eau, et l'eau va se séparer et le peuple va passer. Le passage est là. Mais quand ils sont arrivés dans le mur de Jéricho, il y avait deux miracles qui se font. Le passage de l'eau et le mur de Jéricho. Mais quand ils sont arrivés dans le mur de Jéricho ne demande pas qu'ils portent l'arche sur les épaules. Les serviteurs de Dieu, ils ont passé déjà l'année 2015 à l'année 2016 en portant l'arche. Mais quand ils voulaient maintenant entrer dans 2017, n'oubliez pas 2007, le chiffre 7, c'est un chiffre de l'accomplissement. C'est un chiffre de la perfection. Et le miracle qui était sur cette qui barrait cette année-là devait tomber. Et la Bible dit que Dieu a donné l'inspiration à Josué. Il dit que ceux qui tiennent les trompettes, qu'ils passent devant, qu'ils sortent pendant autant de jours, cette fois, en tournant le miracle. Cette fois-ci, Dieu a révélé à son serviteur pendant 30 jours qu'on tient la trompette, qu'on chante, qu'on loue le Seigneur et qu'on glorifie le Seigneur. Et je voulais vous dire, peuple de réveil, et nous qui avons participé, tout le miracle est tombé. Tout le miracle est tombé au nom de Jésus. Il n'y a pas de miracle. Maintenant, ce qui reste, nous devons savoir que nous passons déjà de l'autre côté. Marchez dans la sainteté, soyez fidèles, développez la vie de prière, développez les bonnes œuvres, accomplissez les bonnes œuvres, continuez à servir le Seigneur dans la joie, continuez à servir le Seigneur plus qu'auparavant, soit toujours obéissant, marchez dans la simplicité du cœur, dans l'unité de l'esprit, dans la communion fraternelle et continuez à être une bénédiction.